Donc là, c'est la commissaire. Bon, bah, bonsoir à vous. Je m'appelle Elie Fallen. Et ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de boire. Bonjour, Elie. Bonsoir, Elie. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. What? Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry. Bonsoir, TK. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ça va, merci. Passez une bonne journée. Fatigante, ma foi, mais ça va. Bon, vous êtes où? À l'organisation, la fête de Santos. Ah, j'arrive, je suis en train de me mettre en service là. Ok. Bon, vous avez le droit de boire en service. Hein. Non, non, je respecte mon métier non, et je ferai. C'est un ordre. Ah, c'est un ordre. Ah, vous avez le droit de boire en service. Un jus de fruits, même la commissaire. T'inquiète pas, Dylan, pas de soucis, ça marche. Oui, des bisous. Okay. Jamais s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des points, faut bien faire pour. Pas faux. Que vous avez l'intention de boire un petit peu, même la commissaire. Un chouïa. Ah, un chouïa. Oui, ça va, merci toi, mon Galen. J'ai pas pris mes. Le boulet. J'ai pas pris mes armes. Parler et du coup. Paf, paf. Bon, je m'absente quelques minutes, j'arrive. J'essaye de. Je suis au téléphone, ma cousine arrive sur Los Santos. J'ai reçu TK. Ah là là, ça va, vous n'avez pas trop chaud sur le live? La poêle, tout torse nu. Moi je suis torse nu. Oh, il n'y a pas la calme. Mais ça te fait rire, Galen. Ça t'amuse. Ça t'amuse. Ah, ça, ça, y'a pas de problème, ça. La main. Si tu viens à la soirée, on y est, on attend tout le monde et on fait un discours pour la soirée. Un discours pour la soirée, mais ça va pas bien. Ouais, j'ai une tête à faire un discours. Par contre, les gars, vous allez bouger vos véhicules. Je vais vous faire bouger les véhicules.
Monsieur, Monsieur bonjour. McAdams, Bonjour, monsieur Rich. Comment allez-vous? bonjour. Comment allez-vous? Ah, je vais super bien, et vous? Oui, ça va, merci. Monsieur, bonjour. 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 Monsieur Orflem, bonjour. Bonjour, monsieur Tom McAdams. C'est ça, oui. Et vous, monsieur, c'est comment votre nom? Moi, c'est Romain Leduc. Monsieur le Duc, d'accord, très bien. À qui? Je crois que c'est à monsieur Orflem, la voiture jaune, non? Oui. Ouais, monsieur Orflem, c'est J'ai un deux parking. problèmes de Pékin, je vais changer de channel. Ma cousine est arrivée. Comment? Monsieur. On se retrouve sur place. Vous savez, Ça là, marche. c'est notre parking, là, on garde toutes les voitures. Hein. Monsieur Orflem, non, le parking pour la discothèque, c'est le parking qui est sur ma droite en fait. Là, ici, c'est un parking privé. Ça appartient au propriétaire de Tequila. Donc, je vous Ah, mais demande de bien propriétaire nous a dit vouloir. oui pour qu'on garde les véhicules. Ouais, Vous non, non, inquiétez non, pas, non, il nous non, a dit non, oui. non, 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 non. Non, monsieur Orflem, vous allez vous garer sur le parking, s'il vous plaît. Faut peut-être que j'aille ranger ma voiture, moi aussi. Oui, s'il vous plaît, monsieur le duc. Si vous pouvez. Le parking est juste à droite, là, il est juste derrière, là. Vous allez voir, il y a mon véhicule. D'accord, ok. S'il vous plaît. Non, mais oh! Pour un petit peu, Tom McAdams, ou pas? Voilà, très bien, parfait. Parfait. On va éviter, monsieur Orflem, on va se calmer. Vous avez prévenu les Montanagro? Là, ils vont arriver, là. J'ai eu un Ouais. petit Bah, en fait, problème. disons que j'avais tous mes véhicules en fourrière, en fait. Parce que j'en ai trois. Et ils étaient tous en fourrière. Donc, j'ai vu qu'ils n'étaient pas en service. Ils ont dû retourner à leur garage pour prendre les véhicules. D'accord. Ah, pour pouvoir appeler la fourrière afin qu'ils me rendent les véhicules. Mais ouais. D'ailleurs, il faut qu'ils viennent parce que je n'ai pas payé, j'ai pas encore payé la facture du coup. Je sais pas ce que Ok. fait Sergio. Bah, du coup, on va à l'intérieur. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Si on a un souci, on vient vous voir. Oui, y a pas de problème. De toute façon, je suis là ou derrière, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre mon véhicule. Salut mon Fredo, comment tu vas mon Fredo? Il a quitté son poste. Oh, sergent. Ah, madame la commissaire. Comment allez-vous? Ouais, merci, vous, ravissante ce soir. Bah merci, c'est gentil. Je vous présente ma cousine, Jenny. J'ai à couper, mais c'est le prénom? Jenny de Jenny, son prénom. bonsoir. D'accord, bonsoir madame la cousine. Eh bien, bienvenue à Los Bah Santos j'ai alors. été voir. Oui. Bon, il n'y a pas d'argent. Je vais devoir tout lui payer encore. À profit de mon salaire de commissaire. Vous avez bien raison, madame la C'est cousine, ça le pour en chômage, hein. profiter. Oui, tout à fait. Dites-moi, vous en savez un peu plus, parce que là, il n'y a personne. Si, en fait, là, actuellement, il y a déjà monsieur Orflem, monsieur Rhys, monsieur le Duc. Ils sont déjà à l'intérieur. Moi, je suis resté à l'extérieur pour surveiller au cas où, C'est mais. une blague. Mais il n'y a personne. Si, en fait, non, non, parce qu'en fait, à mon avis, on a dû se croiser, qu'ils sont rentrés par devant, là. Bon, on va pas repasser par la porte des artistes. On va repasser par la porte principale. Bah, on vous suit, Ouais, sergent. ça marche, pas Par de soucis. contre, il n'y a rien à Oui. voir dedans. Il n'y a rien à voir. Bah ça faudra voir ça avec monsieur Orflem ou monsieur Riz, c'est eux les organisateurs. Hein. Oui, ça va, merci mon Ah, c'est Fredo. pas faux. Sinon, sergent, vous avez est-ce que vous avez un kebab et du Oui, coca ou bien une sûr. bouteille d'eau et un Bien sandwich à sûr. donner à ma cousine? Parce que je crois que grâce, enfin, à cause de notre application, on n'arrive plus à donner des objets. Ah, alors attendez, je vais regarder. Essayez avec ma cousine. Bouge pas, cousine. Ah, effectivement. Bon, bah c'est compliqué. Ouais, je crois qu'il y a un petit souci pour... Bon, Ouais, c'est y a pas rien, grave. ouais. Je vais faire un aller-retour parce que là, c'est pas possible du coup. Bah soit je emmène votre cousine à faire les achats ou soit vous l'emmenez vite fait, c'est comme vous voulez, madame commissaire. Non, non, mais Bonjour. je vais lui montrer la ville en même temps. Pas de soucis. Bonsoir.
Bonsoir. Non, allez-vous? Je vais lui montrer et puis je reviens, sergent. Pas de souci, madame la commissaire. Donc là, ici, c'est monsieur, monsieur le duc. Ah, Romain enchanté, monsieur le duc. Enchanté. Jenny, tu viens avec moi? On va aller chercher à boire et à manger. Très bien. Ouais, à tout à l'heure, sergent. À tout à l'heure, madame la commissaire. Bonjour. Sergio, bonjour, ça faisait longtemps. Comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, ça va, merci. Rames, il est pas là. Si, ah, salut ma banane. Comment va? Et là, il est en chemin, il arrive. Tire pas plutôt 2-3 bouteilles de vodka. Je déconne, monsieur. Ah, ça, c'est mon frère qui voit. J'ai peur parce qu'il a pris un peu d'eau. Au soleil, dans la terre, un petit peu. Ah, d'accord. Eh bah, et à tous les coups, on s'est croisés. J'ai dû voir bon, ton tracteur. Ici, qu'il est que je suis passé. Et je suis passé deux fois aujourd'hui. Il commence à y avoir du petit monde. Ça fait plaisir. Ça va et toi, ma banane? Après, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de monde. Normalement, on m'a dit que. Chaque personne m'a dit qu'elle allait être présente. Donc, on va voir, mais bon. Mais là, madame la commissaire et sa cousine sont partis faire quelques achats de boissons et nourriture. Donc, elles vont revenir dans quelques minutes là. Ok, ok. Ouais, de toute façon, nous on est là. Hein. Pas de soucis. Ah, du coup, Romain, t'as déjà préparé toutes les musiques là? Romain? Ouais, d'accord. Il a pas l'air. Une petite absence, je crois. Ouais, je crois, ouais. Ah, Rames. Il y a du monde ce soir là, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Rames. Monsieur. Bonsoir Rames. A tout, Fredo. Désolé, bonne douche. Absence, là, je devais faire 2-3 coups. Bah, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié. Si l'un des deux dépanneurs peut me dresser la facture qu'il se doit là. Bon, pas trop chaud, les gars, avec la chaleur là. J'ai pas le monsieur McAdams. On verra ça plus tard. Okay, excusez-moi, j'ai pas entendu. Bah, vous retenez au petit papier. Fumez pas, vous, monsieur. Je vais le noter sur un petit. Ah non, je ne fume plus, moi. Ouais. J'ai arrêté, j'ai pas envie d'en reprendre. J'ai arrêté. Ah oui, tout à fait. J'ai toujours mon petit calepin sur moi. Bien. J'imagine bien la merguez sous la douche. Impeccable, ça roule bien. J'ai fait quelques petits réglages. Et ça va, ça. C'est impeccable. Elle est stylée, ça me calme. Un petit réglage sur ma voiture, là, la carbonizer. Alors, monsieur McAdam, ça vous êtes en service? Oui, tout à fait, Rames. C'est au cas où, s'il y a un débordement ou quoi que ce soit autour de la discothèque, voilà. Il vaut mieux. D'accord. Vaut mieux qu'il y en ait un de nous qui soit en service. Ouais, vous inquiétez pas, on va. Moi aussi, là, je lui ai proposé, mais. Vous allez prendre le gauche, comme on dit. Ah, je vais prendre un petit verre de jus de fruits, y'a pas de souci. Un petit verre de jus de fruits aromatisé. Ah, attention, Ramette, attention ce que vous allez mettre dans mon verre. Hein. Est-ce qu'on fait chanter le sergent, les gars? Ah, moi je suis. Il se peut que j'ai des petits. Il se peut que j'ai encore quelques antibiotiques sur moi, donc. On est couvert, monsieur McAdams, vous voyez. Bah, ça fait chanter apparemment. Hein. Ah, j'ai pas entendu, Ramette. Les gens. Ça vous dit qu'on rentre? J'ai dit au cas où, c'est pas grave, monsieur Ritz, il a les antibiotiques sur lui si vous êtes malade. Ouais. Oui, si vous êtes malade. Et je vais attendre que avoir des retours si les antibiotiques sont fiables. C'est une plaisanterie, bien sûr. Bah, disons qu'ils sont utilisés que dans certains cas. Là normalement il y a la commissaire avec sa cousine qui devrait pas tarder à arriver. Ah, la commissaire. Avec sa cousine en plus. Ouais, il y a sa cousine qui est avec elle. Ouais, il y a pas de souci. Na 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 na
Merci. Merci ma banane, bah t'es mon premier sub. Oui, attendez, excusez-moi, attendez, je suis au téléphone, excusez-moi, Ramesse. Ah oui, oui, pardon. Ouais. Merci beaucoup, mon petit banane. Comme toujours le premier, toujours là, ma couille. Merci beaucoup, un énorme merci. Il est là, le sub. Oui, excusez-moi, j'avais un petit message sympathique. Je demandais comment ça allait alors. Oui, bah ça va très bien, impeccable. T'as encore un petit peu calme à Los Santos là pour le moment. J'espère que ça va bouger un petit peu quand même. Ah, j'ai l'impression que tout le monde est un peu alcoolo sur les bords. Faut faire une soirée pour que tout le monde ait repris. C'est tout à fait ça. Et vous, comment ça se passe avec vos nouveaux véhicules là? Ça se passe bien? Oh, nickel hein. Impeccable. Pas se plaindre. C'est du bon matos. Bon, c'est impeccable ça. Ford avec le moteur Ford et tout, c'est bien costaud. Donc tout va pour le mieux. Bon, bah c'est impeccable ça. Bon, espérez que vous aurez beaucoup de travail par la suite. Bah, écoutez, on a toujours notre recrutement d'actifs là, mais bon, pour l'instant ça donne pas grand chose. Alors je crois qu'on va devoir un peu se raviser avec enfin en tout cas se concerter avec Sergio là pour voir un peu s'il faut pas qu'on modifie un petit peu deux trois trucs sur notre contrat de travail. D'accord. Donc on va voir. Vous voulez faire quoi? Vous voulez modifier quoi exactement? Sans discrétion. Ou peut-être mettre un peu plus de messages un peu plus voyants, disons, sur le site communautaire, puis... Ouais, monsieur Affel. Sergio, vous montez, je vais vous payer un coup. On arrive, on parle avec monsieur McAdams. Ok, bah attendez, je vais attendre. Donc, voilà quoi. Et vous savez, vous avez les fichiers, ce qu'il vous faut, tout le monde. Ouais, bah là, on... Non, bah... Ce qui est dommage, c'est que nous sommes trois sergents, mais... bah voilà, les deux autres, on les voit pas très souvent. C'est un petit peu dommage. Donc, ouais, voilà, je suis tout seul avec la commissaire et puis le cadet. Donc, on va voir. Mais là, pour le moment, comme c'est calme, donc c'est pas trop dérangeant, mais bon. Pour la suite, ce serait bien qu'ils soient un peu plus présents ou on verra bien. Pourquoi ils sont pas en ville là en ce moment? Je ne pense pas qu'ils soient là les autres sergents. Je pense pas. Pas très présents en ce moment, mais je suis là de temps. Ouais, t'inquiète pas, banane. Puis je me doute qu'avec le temps qu'il fait et tout, et que t'es un homme des terrains, donc tu préfères être plus dehors que derrière ton PC. Je comprends très bien, banane. Ne t'inquiète pas. Ah, juste bon. Un petit message de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà. Presque suffisant, disons, pour l'instant. Oui, tout à fait. Ah, puis vous, l'avantage que vous avez, par exemple, que vous pouvez travailler avec les civils. Oui, bien sûr, bah écoutez, ouais, c'est vrai que... C'est difficile pour nous de, entre guillemets, de vous donner du travail. Ouais, t'inquiète pas, je te surveille. Tu te surveilles? J'aime comme tu me surveilles, vas-y. Fouette-moi si je fais une bêtise. On aimerait. Ouais, non mais... Ça va venir petit à petit. Tout doucement, calmement. Oui, tout à fait. Ah, vous savez, nous non plus, c'est pas la folie non plus. Hein. On est présents, on fait nos interventions, mais... Quand on fait les comptes avec Sergio, c'est vrai que... Bon... On roule pas sur l'or, hein, bien sûr. Voilà, on arrive à toucher le bout en fin de mois, mais bon. C'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. On va y arriver. En espérant un peu que... Que des avions atterrissent un petit peu, et puis... Bonjour. Bonjour. Vous êtes... On avait quelques idées, enfin, à transmettre au gouvernement.
certainement quelques créneaux à prendre. Vous voyez, comme, je sais pas, un restaurant, on disait tout à l'heure avec Monsieur Orfem et Monsieur, j'ai perdu son nom, mince. Ritz. Non, c'est moi. Monsieur Blum. Ça, Monsieur Blum. Oui, c'est ça. Ah, c'est Monsieur un Blum. Restaurant, vous voyez, un restaurant gastronomique, enfin. Spécialisé dans le poisson, par exemple. Il manquerait peut-être un assureur dans cette ville. Quelque, oui, ça, il faudra mettre tout ça. Ouais, ouais, tout à fait, il faudra mettre tout ça en place. Ça peut être pas mal, tout ça, ouais. Je pense que c'est des bons petits créneaux à prendre. Après, voilà. Mettre en place l'administration, tout ça. C'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que quelqu'un aurait l'heure là, je sais pas où, j'ai oublié le téléphone de ma voiture. Laquelle vous voulez? Laquelle? L'heure, s'il vous plaît. Hein? Non mais laquelle? Laquelle de quoi? Celle de Los Santos ou celle de... Alors que on voit sur mon portable. Elle est 21h36. Ok, merci. Sinon, tout se passe bien, les amis. Ça va, ça va. Bah ouais, pas trop mal. Je me permets de grignoter un petit peu, je m'excuse. Allez-y, allez-y. Ah, bon appétit. Je merci. Coup, moi, j'ai un peu soif. Oh, il faut. Je vais prendre une bière après. Bah allez, venez, si vous voulez, on rentre dans le bar. Hein. Si ma cadame, vous venez avec nous. Oui, oui, je vais rentrer, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer. Et c'est qui doit faire le discours là ce soir? Ça va être moi, Alex. On a prévu là, on va. Alex va présenter son entreprise et après on va parler un peu de la soirée vite fait. D'accord. D'accord, d'accord. Vous inquiétez pas, on a une petite surprise. D'accord, d'accord. Une surprise? Ah, j'espère ah ouais, ça que va être sympa. Bière pour tout le monde. Hein. J'espère que tout le monde aime l'alcool. Ah oui, moi oui. J'aime beaucoup ça, mais le problème c'est que voilà, quand je bois, je dérape un peu des fois. Non, mais vous savez, hein, c'est pas très fort ce que j'ai pris. Je sais, mon frère. Bon, à part ça, ma banane, que tu racontes de beau. Bah, si tout le monde aime bien l'alcool, ça va être nickel. Ça sera sans moi l'alcool, oui, hein, monsieur. Avec modération. Ouais, tout à fait. Il y a un petit fond. Non, monsieur Orflemme, je suis en service. Je voudrais pas me faire taper sur les doigts par madame la commissaire. Ah, elle saurait rien du tout. Faire rétrograder ou même un pull. On l'a vu un petit peu énervé l'autre jour là. Hein. Attention, elle est très gentille, mais attention. Ah non, non, pas du tout. Elle est gentille, mais il faut que ça marche droit quand même. Il faut que ça marche droit. Pour dans l'ordre de la service discipline. De police, il vaut mieux que ça soit comme ça. Ah oui, oui. Bah ça va tranquille, bah tu vois, ça va commencer avec le avec très très calme de mon côté là. Je serais Blum, j'aime beaucoup vos cheveux. Ah ouais, merci. Voilà, je suis déjà en week-end. C'est mon coiffeur pour te dire. Personnel à domicile. J'ai juste un gamin à faire demain après-midi. Franchement, je suis vraiment très content. Hein. On va dire que c'est à je sais pas combien de millions de kilomètres de ma coiffure, mais j'aime beaucoup. Moi j'aime bien la coiffure de Ramès, c'est stylé. C'est particulier, hein. Ouais, on va dire que je vais pas trop chez le coiffeur, quoi. J'aime pas ça, les ciseaux, tout ça. Je préfère les clés à molette et puis les marteaux, moi. Ah, moi j'aime bien ça. J'ai un peu peur des ciseaux. Ouais, je m'en doutais un peu. Avec les vacances, le Sergio, nous avons le même coiffeur, non? Ah, mon frère, il adore ça, lui. Voilà, mon frère. Ah, bah, si, elle est là. Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer. Bonsoir, Sergio. Tu présentes ton entreprise avant? Ouais, vas-y, bah, je vais juste commencer. Ok, vas-y, tu présentes. Bonjour, bonsoir à tous, plutôt. Si levez les bras, dites oui si vous m'entendez tous. Oui, je pense que notamment Sergio qui se trouve tout au bout.
Parfait. J'entends, Donc. j'ai une bonne édition, demandez à Orphel. Ok, super. Je vous ai tous demandé de venir à cette soirée afin que, étant donné que je décide d'arriver. Oh, pardon. Et à la fin, on va tous. Allez, baston général. On va tous jeter nos chapeaux à la fin. Non, non, désolé, désolé. On va pouvoir faire ça. Non, parce qu'en fait. Attends, ça parle fort. Ouais. En fait. C'est le problème d'espace, non? Je crois que vous avez testé un petit peu trop les antibiotiques, monsieur Ritt. Non. En fait, on est pas mal de joueurs qu'on se connaît pas en fait. Donc, il y en a un qui a organisé une petite donc, soirée. Merci tous. Pour que tout le monde se rende compte en fait. Donc, étant donné que je disais, certaines personnes viennent d'arriver du dernier avion, on se connaît pas tous forcément. Et même moi, personnellement, je connais pas grand monde. Du coup, si pour les personnes qui le souhaitent, venir chacun à votre tour dire un peu qui vous êtes rapidement. Je vais commencer en premier pour montrer un peu l'exemple de comment on va faire. Et bah, cette soirée a pour but bah, déjà de passer un bon moment, pouvoir bien s'amuser, et ainsi que bah, pouvoir se connaître un peu plus. Voilà. Donc, bah, moi je vais commencer. Merci Théo. Ah, tu vois, t'as pas le badge. Quand j'arrive à trouver le badge. Je viens de voir, t'as pas le badge des oreilles de lapin. Je suis monsieur Alex Ritz. Je suis. Je trouve ça. Ah, ça commence déjà à boire. Parfait. Je suis donc le nouveau chef d'entreprise arrivé en ville. Je suis PDG de l'entreprise Human qui fait livrer des médicaments, enfin, qui conçoit et livre des médicaments aux médecins à l'hôpital. Afin de pouvoir aider certaines personnes qui en ont besoin. Je suis arrivé sur l'île il y a à peu près ouais, il y a quelques temps maintenant. Je suis pas vieux non plus, mais je suis pas nouveau non plus. Et je pense que je n'ai rien d'autre à dire, hormis du fait que je suis souvent présent sur l'île. Du coup, je vais laisser la place à Théo, peut-être. Théo. Moi, je voulais vous dire félicitations quand même. Bravo pour. Merci. Bravo, monsieur Rich. Bravo, bravo. On en a vraiment besoin. Bravo. Dans cette ville. Je veux mon badge. Avec plaisir, merci. Bah ouais, t'as une étoile, mais normalement, c'était une oreille. C'est les oreilles bleues, là. N'hésite pas à crier. Mais. Pour bien qu'on t'entende. J'ai pas réussi. Je regarde. Alors, déjà, pour commencer, moi, je m'appelle Théor Flem. J'ai 19 ans. Je suis médecin général du CHU de Los Santos. Et là, ça fait quelques temps que je suis arrivé à Los Santos. Et comme vous l'a dit monsieur Alex, enfin, on a pour but d'avoir organisé cette soirée. C'est pour que tout le monde se connaisse dans la ville. Voilà. C'est bien en soi. C'est bien, bien en soi. T'as rien d'autre à dire, bon, bah, Théo? Non, ce sera tout. Ok. On va laisser la place à monsieur Romain Leduc, qui est aussi un médecin. Ah bah, il était tombé à la guitare. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, bonsoir. Je m'appelle Romain. Je m'appelle Romain Leduc. Ça fait 4-5 jours que je suis arrivé à Los Santos. Et voilà, et je suis médecin. Voilà. Et puis, bravo. J'espère que cette soirée va bien bonjour se passer. Quoi. Bravo. Ça fait très, très association anonyme d'alcoolique, dis donc. Ouais, c'est ce que j'étais ouais. en train de penser, justement. Je sais pas si tout le monde m'entend. On vous entend, monsieur Ritz. On vous entend bien. Ok, parfait. Ouais, du coup, bah, n'hésitez pas, vu que vous êtes tous les deux médecins là-bas, n'hésitez pas à dire que de quel poste vous avez chez les médecins. Si vous êtes, bah, par exemple, je sais que monsieur Orflem est au poste de médecin là-bas et que bah, il peut y avoir des élèves, etc. Donc, si on peut le savoir, n'hésitez pas. Non, mais je suis. Le problème, j'ai pas vu. 0 sur 8. Et je viens de
Quoi? Monsieur, comment c'est ton nom là? Je me souviens jamais plus. Oh là là. C'est l'alcool qui fait ça. Bravo, bravo, déjà, bravo, 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 je vous félicite. Vous voyez la vodka à quoi ça mène? Bravo. Ah oui, c'est vrai, Romain. Ah oui, voilà, c'est bon, vous êtes revenu. Romain. La commissaire, elle est posée à 1 mètre du meuble. Elle est, voilà. Je sais que vous avez apprécié ce discours. Ouais. Oh, un clic bleu et mettez un pouce bleu. Voilà. Vous avez apprécié un pouce bleu. Paf, paf, paf. Du coup, si monsieur Romain a fini, on va. Bah, qui souhaite passer? Le premier qui dit moi. Je vais passer. Allez, allez-y. Là, il va falloir prendre une chaise. Fait tomber la guitare. Hein. Donc là, c'est la commissaire. Bon, bah, bonsoir à vous. Ouais, je m'appelle Elie Fallen et ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de boire. Bonjour Elie. Bonsoir Elie. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Ouais, cousine, ça, on va se détendre. Donc, non, comme tout le monde a pu le. Et comme tout le monde le sait déjà, je suis commissaire. M'en doutez qu'a buvé la commissaire. Du LSPD de Los Santos. Je pense que tout le monde m'a déjà vu au moins une fois, ou du moins pris contact avec moi. Je suis heureuse d'être là ce soir pour célébrer l'ouverture de la société de Monsieur Alexis, qui j'espère va nous fournir un travail exemplaire et à qui bientôt va pouvoir renforcer le corps médical. Donc, félicitations à vous, monsieur Ritz, et puis bon courage par la suite. Ah, merci. Félicitations, ça fait plaisir. Bravo, bravo, bravo. Bravo pour le discours. C'était Elie Fallen, c'était tout pour moi, merci. Bravo, 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 bravo. Bravo. On passe tout de suite à la prochaine personne. Bravo, bravo. Qui souhaite passer? Vous répondez pas tous en même temps. Moi, j'ai un peu soif. Allez, allez, voilà. Allez-y. On applaudit Jesse. Sur la scène. Personne veut passer. Ah si. Comment on fait pour monter sur les stades? Bah, faut lever la jambe. Faut lever la jambe. La façon pour pouvoir grimper. Dans cette boîte bordel. Voilà. Voilà cousine, ça. Bon, elle est toute nouvelle sur le centre. Évitez d'abîmer les enceintes. J'ai loué le bar, il m'appartient pas. Je vais prendre cher, sinon. C'est pas lui qui paye les bouteilles. Bon alors, bonsoir. Moi, je suis Jenny Peterson, une jeune diplômée de l'école de la magistrature et je suis en recherche d'emploi. C'est clair, voilà. Enchanté. Au garage Montana Grove. Enchanté. Ah, on voit que votre cousine, elle est très supportrice. Je suis une cousine de Madame la Commissaire. Bah, moi qui allais préciser que les chefs d'entreprise pouvaient faire leur publicité, je vois que monsieur Ramès n'a pas attendu. Non, mais je vais essayer de monter déjà. Non, mais bravo, bravo. Il faut, n'hésitez pas. Hein. Moi aussi, forcément, il va falloir que j'engage, bien sûr. Oh, ça, c'était bravo, du sort, fait. Romain, tu super. Je vais chercher les bouteilles. Ah, non, on va chercher les bouteilles. Ouais, vas-y, j'arrive. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Rames Montanagro. Nous sommes dépanneurs avec mon frère Sergio dans cette belle ville de Los Santos. Alors, bon, ça fait un petit moment qu'on est là. Hein. Ils sont extra. Je suis ravi de vous voir tous présents hein, ce soir. Hein. J'ai l'impression que tout le monde est un peu alcoolo dans cette ville. Il faut faire une soirée pour que tout le monde réplique. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, félicitations Monsieur Ritz. Je me réjouis que votre projet d'entreprise puisse aboutir. Hein. Vraiment, c'est une bonne chose pour cette ville. Et puis, voilà, en tout cas, je suis très content de vous voir tous. Et banal. C'est très bien ça. Et que nous sommes vraiment, vraiment très sympas, moi et mon frère Sergio. Voilà, ce sera tout pour moi. Bravo, mon frère. Merci beaucoup. Bravo, Rames. Bravo.
Bravo à vous. Bravo, bravo. Je tiens à préciser que leurs amendes sont très élevées. Donc, je passe au suivant. Il y a ta gueule. Non, je rigole, je rigole. Je rigole, bien sûr. Qui n'est pas encore passé, bah, il ne reste plus que vous, monsieur. Ah bah oui, c'est vrai. Mais bon, mon frère l'a tout dit. Oui, je me suis dit, vous n'allez pas passer vu que votre frère... Oh, si, 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 on veut la présentation des deux frères Montanagro. Moi, c'est Sergio Montanagro. C'est interdit voilà, de fumer dans un lieu public. Hein. Donc, je tiens le garage Montanagro oui, en ville avec mon frère. Et donc voilà, nous sommes très contents d'être dans cette ville. Nous avons été accueillis très bien. Très heureux d'être là parmi vous. Donc, bon, comme je le dis, mon frère a tout dit à propos du garage. Donc, voilà, donc. Coucou Tom. Je suis très content d'être là. Les gens sont vraiment très gentils. Donc. Coucou! Au plaisir. Non, non, il y a la réunion là. Merci. T'es qu'il est là, 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 là. Bravo, bravo! Ouais, j'arrive. Ouais, bravo, bravo! J'ai bravo. Un petit peu de retard. Pas de soucis. Vas-y, vas-y. Annie! Bravo, bravo. Espérons que vous faites mieux, sergent. Est-ce que je stream? Sur scène. Allez, sergent, à vous! À vous, là, regardez, il y a le tapis rouge qui s'est lissé pour vous! Allez, j'arrive, il faut que je fasse ma présentation. Allez, monsieur McAdams. Alors, moi, c'est Tom McAdam. Ça fait 15 jours que je bois, depuis que je suis arrivé à Los Santos. Donc je me présente Tom McAdam, je suis arrivé il y a 15 jours donc à Los Santos, où j'ai eu le plaisir de rentrer au LSPD auprès de Madame la Commissaire. Donc j'ai commencé en tant que cadet et voilà, comme je suis un très très bon voilà, agent de la sécurité, je suis donc promu sergent. De temps en temps j'ai un petit peu mal, de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps j'ai un peu mal, j'ai un peu mal. Mais je confirme que c'est un très très bon sergent. Ah merci, merci les frangins. Mais j'ai mal, de temps en temps j'ai mal hein, vous savez. Et donc, je profite de cette soirée-là aussi, bien entendu, pour féliciter Monsieur Riz pour son entreprise. Première entreprise à Los Santos, donc il peut être très fier de son entreprise. Et bravo à vous, Monsieur Riz. Et merci. J'en profite aussi pour dire que, bah, grâce aussi aux frères Montanagro, nous avons une bonne gestion de nos véhicules. Et sans eux, on n'aura peut-être pas trop nos véhicules chaque soir. Et voilà, et j'espère que vous allez passer une bonne soirée, une longue vie à Los Santos. Merci. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Plus personne souhaite passer sur scène pour dire quelque chose. Ah, excusez-moi, j'ai juste oublié un petit truc, si je peux remonter. Allez-y, allez-y. Ça y est, va faire ton blabla. Je commence à faire un petit peu de l'âge et j'ai des petits trous de mémoire. Allez, désolé, il a bu un verre en plus, il va commencer à radoter. Non, non, pas du tout. Pas alors. Mince. C'est juste pour vous dire que voilà, que mon frère Sergent compte à faire... l'inauguration du garage, donc on va aller au tequila. Vous serez bien sûr tout ce qu'on vient, ce sera journée gratuite, hein. On n'a pas encore fixé la date, mais c'est juste pour vous dire... La voix que tu entends avec moi, Banane, c'est le développeur du savoir. Il y aura quelques surprises, le temps de mettre tout ça en place, et puis nous vous tiendrons informés bien sûr. On peut pas baisser le pantalon, gratte gratte. J'avais oublié. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Bravo, 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 super. Bravo. Je viens de recevoir un SMS de monsieur Dureuil qui, à mon avis, ne va pas tarder à nous rejoindre. Je vais me la faire apparaître, ce sera plus simple. D'accord. Je confirme, madame la commissaire. Il m'a envoyé un SMS, il arrive. Il arrive, monsieur Dureuil. Ouais, mais t'attends, on va essayer de voir trop en attendant. On va attendre qu'il passe quand même et puis après on lui. Ouais, mais après, on va c'est pouvoir... la surprise, ce que je t'avais dit. Ce que je t'ai dit en message. Je veux au chiot, je veux dans ma team. Ouais, mais attends, il s'est pas encore présenté. Prends ça là. Il s'est pas encore présenté. Ouais. On va laisser monsieur Dureuil. Je crois qu'ils ont condamné les toilettes. Ouais, ils ont condamné les toilettes. Certaines personnes, à mon avis. Je vais vous prendre une bière, s'il vous plaît. J'ai bu un peu trop alors. Ah, merci. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'aile. Ah, tu peux pas voler. Monsieur McAdam, je peux prendre une photo avec vous. Une photo avec moi? Mais ça va vous coûter très cher, monsieur Blum. Les types de police sont là, on le dira pas. Allez-y, allez-y. Ça vous dérange pas, hein? Non, non, y'a pas de problème. Souriez. Tii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 i
que je passe au garage. C'est bon. Ah, ça fait des mais je vous en prie, monsieur Blum. Madame Peterson. Je reviens dedans. Comment vous trouvez cette ville? Ah ben non, décidément, les derniers passages, c'était un carnage. Hein. Ah ouais, ouais, ils sont tous fermés. Animation, tu me félicites comme toi avoir porté. Je m'absente, j'ai une urgence pour un client, je reviens de suite. Pas de soucis, Rames. Un petit oiseau, tu n'as pas d'aile. Désolé, mais d'à côté. Ah, tu peux pas voler. Non, 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 petit oiseau, tu n'as pas d'aile. Ah, tu peux pas voler. Dis-moi, de toute façon, c'est de là ici. Non, 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 tu peux pas voler. Voilà, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien ça. C'est zéro sucre. C'est zéro garage Montanagro. Tu peux pas voler. Ça, monsieur McAdams, là. Ah, petit oiseau, tu n'as pas d'aile. Ah, tu peux pas voler. Non, 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 tu ne peux pas voler. Tu n'as pas d'aile. Ah, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les civils qui boivent, quoi. Et voilà, c'est ça. Voilà. Ah, merci, 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 merci. C'était bien, c'était bien. Merci, merci. Bravo, bravo. Merci, merci. Il y a ma cousine, elle a... Voilà, tout le monde s'ambiance là d'un coup, là, c'est là ça part, là, ça part. L'alcool, c'est bon, les gars. Ouais. Ouais, je vais aller faire un petit clope de voir. Jesse, tu viens? Vous fumez ici, vous pouvez fumer ici. Ah ouais, moi... lieu public... Je vais fumer une dehors, là. Mais c'est cool, l'ambiance. Ah. Si jamais quelqu'un veut venir. Ouais, on va faire ça. Donc en fait, donc, tout le monde va se retrouver dehors, en fait. C'est pas très très belle étoile de mer. Hein. Ça va ouais. Est-ce que... Voilà. Moi, je trouve que vous faites bien la planche, hein, madame. Ça fait des cours de yoga. Ceux qui veulent fumer, on y va. Ouais, bon, on va aller fumer. Tu viens, Jesse? Bah, on va aller tous dehors, faites le sympa. Alors, oh, pour ceux qui sont... madame la commissaire là, oh, oh, oh. Eh, hey, madame la commissaire. T'es bourré ou quoi? Madame la commissaire, on se calme. Une baston de flic. Madame la commissaire, on se calme. Madame la commissaire. Magie noire ou quoi? Parce que t'es en train de taper ton... Les gars, non. Arrêtez! Appelez au fer! Wesh le sang, il s'est passé quoi là? Là, je vais perdre 7000 euros. Madame la commissaire l'a défoncé! Ah! Pourquoi? Le pauvre. Non, à mon avis, c'est pas de sa faute, elle a dû avoir une déco, je pense. Ah bah tiens! Toujours par terre lui hein. Ah bah c'est ça, je vous le dis hein, ça ne t'attendrait rien. Bah c'est qui ça là-bas? Ah restez à côté de ma cadence, parlez-moi. C'est Agio. Ouais. Et j'ai mal. Non, madame, restez avec moi. Et j'ai mal. Allez, me roule sur les pieds, les mecs, de là. Je peux prendre ta moto vite fait pour aller acheter à manger. Il faut que tu sois les macadam. T'inquiète. Mais non, c'est un de mes collègues là. Je peux pas être en service. J'ai pu. T'inquiète pas. Ouais. Mal. M'a tapé la salope. Je ne bouge pas. Ah, j'avoue que vous avez bien pris par derrière en plus. Aïe, elle m'a tapé la blonde là. Aïe. Ah, mais monsieur le feu, mais il est parti avec ma moto en fait. Allez. Il a cru quoi? Que j'étais le petit samaritain ou quoi? Je laisse à vos côtés, vous inquiétez pas. Merci Sergio. Ah, j'ai mal. Ça va aller, ça va aller. Ils vont arriver, ça va aller, ma gueule.
Je vais m'occuper de ton cas, Balin, t'inquiète. Mais on est allé dans le même endroit pour bronzer ici. Donnez-moi la main, Macadam. C'est pas possible, tout le monde est bourré ici. Je sais pas, je suis là. Ça va, Sergio? Et vous, monsieur Leloy? Qu'est-ce que tu fous? Bah, j'essaie avec Macadam pour que. Pour qu'il reste conscient tant que. Que l'ambulance elle arrive, quoi. Elle m'a tapé la blonde. Ah bah, c'est pas du pressé en tout cas. Boum! Elle m'a tapé la blonde. Elle t'a tapé. Oui. Elle est toujours par terre, ce que je vois. Elle l'a pris par surprise par derrière. Et donc, il a pris un petit coup derrière la tête, quoi. Il est pas crête, ça va, ça fait du bien. Pas obligé de marcher dessus, du haut. Eh ben bravo, hein. Vous n'êtes pas obligé de marcher dessus, du haut. Je vous marche pas dessus, vous inquiétez pas, je fais attention. On porte compagnie au sergent. J'ai vu du roi. Il a fait de mort la tour. Il a vu, sergent. Je m'occuperai de vous, du haut. Est-ce que Eh mais c'est long la histoire là. Tu peux pas me sonner toi? Non, je peux pas. Attends, par contre j'ai une idée. Pas que tu mets pas dans le cul, ça va. Je vais tenir chaud à la tête. Ça va? Ah oui. Ça sent pas la rose. Il va y avoir un médecin en service. Voilà. Je suis pas content. Non, moi je suis pas content. Je vais porter plainte. Bah y'a plus personne ou ça se passe comment? Allô? Je suis là. Ouais, je suis là. Bonsoir tout le monde. Allô? Alors coupe mon micro. Non, Tom, j'avais pas vu que je m'étais pas mis de souris. Madame la commissaire, vous avez besoin d'un coup de main. Ce soir, c'est gratuit, vous inquiétez pas. D'accord, c'est gentil. Sergent, vu votre délai d'intervention, j'ai dû faire autrement. Oui, mais madame la commissaire, vous m'auriez pas mis une droite. Mais non, ce n'est pas moi, c'est magnifique. Alors, c'est votre sosie qui m'a mis une droite. Voilà, c'est ça. Moi, depuis quand je frappe les effectifs, moi? Ah non, mais je sais bien. Et du coup, comme il n'y avait pas de médecin. C'est les effectifs qui me frappent. Non. Comment? Mais non. Mais non. Mais est-ce que je vous rappelle ce qu'a fait l'agent à toutes les unités prises de service pendant la séance de tir? Donc, hey, bonjour. Je me confirme. Normalement, c'est les agents qui me frappent. Non, non, mais il n'y a pas de soucis, hein, comme ça. Je crois que ouais, y a pas de souci. Et du coup, même là, comme ça, vous voyez que ce soir, du coup, ils se sont pas mis en service avec les médecins. Et voilà. Sur les gens, hein. Ouais, j'ai eu un petit souci avec les médecins. J'ai fait remonter au niveau du gouvernement. Je pense qu'ils vont s'en occuper au plus vite, mais c'est quand même un peu bizarre, quoi. Ouais. Donc, du coup, bah, j'ai dû aller à l'hôpital. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous avez pu faire ce qu'il fallait pour votre véhicule, madame la commissaire? Non, si vous pouvez m'ouvrir, parce que j'ai... Alors, non, c'est pas ça. Véhicule. Bon, moi, gigo, les amis, à bientôt. À bientôt, ma banane. Bisous, bonne nuit. Encore merci pour ton sub. Ton premier sub, le premier sub. Mais moi aussi, demain, je me lève tôt. Bisous. Ouais, bah, bisous, les copains. Bisous les filles, à tout de suite tous, d'être passé. Voilà, madame, comme ça. Merci, sergent. Il n'y a pas de soucis.
Bon, du coup, si vous pouvez retourner à la boîte de nuit, parce que je pense que ça commence à partir ensuite. D'accord. Moi, je vais oui, juste montrer un tout petit truc à ma cousine, et puis après, on va retourner à la maison pour faire dodo. D'accord. Ouais, pas de problème, comme ça. Bah, j'y retourne. Ok, très bien. Okay. Merci à vous, en tout cas. Bien, je vous en prie. Allez, bonne balade et reposez-vous bien. Bonne soirée. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Sergent. Oui, commissaire. Sergent, il y a un petit souci. C'est pas ouvert. C'est pas ouvert? Ah, bah. Non, petit problème. Oui, madame la commissaire. Ah. Bon, je pense que mon véhicule doit vraiment avoir un souci. Il y a un souci ou... Attendez, je vérifie un truc. Déposer, sergent. Ça va vous coûter cher, madame. Non, à mon avis, on doit pas. J'ai juste fait un contrôle du véhicule, madame la commissaire, pour voir si ça a fonctionné de ce côté-là. Mmh. Et ouais, par contre, pour crocheter le véhicule, à mon avis, pour ce genre de modèle, ça doit être très compliqué. Bon, bah, c'est pas grave. Ça doit être le système anti-vol qui bloque toute intrusion dans le véhicule. Ouais, je bon, pense. Bah, c'est pas grave, hein, on va aller marcher. Vous marchez ou je vous dépose quelque part? Je suis pas sûr qu'on est couvert au niveau de l'assurance pour pouvoir transporter des civils hors intervention. C'est vous qui voyez, madame la commissaire. Après, il peut y avoir des exceptions. Hein. Voilà, vous êtes en panne, on peut pas réparer votre véhicule. Vous n'êtes pas en état de marcher sur la voie publique. Après, c'est vous qui voyez, madame la commissaire. Ouais, bon, elle est complètement compète. Donc, oui, à la rigueur, Jean, on va faire ça. Ok, ça marche. Bah, oui, je vais venir avec vous. Moi, je suis compète. Et alors, toi, t'es quoi alors? Oh, parce qu'elle est petite. Ah, je dois pouvoir envoyer un message. Pourquoi tu vois tout le monde derrière? Je coupe ton micro. Non, mais. Ah merde, je rigole, putain, mais pourquoi je suis pas mieux? Vous emmenez-nous. Bah alors, sergent, vous avez pas oui. Les clés? Non, mais je vous emmène où, j'ai pas entendu. Pas là-bas, non, non, ça va aller, vous inquiétez pas. Je vous emmène où, même comme ça? Au garage. Au garage, d'accord. Bon, je vous laisse gérer vos véhicules, madame la commissaire. Je vais essayer de rattraper M. Orflem là. Ok, très bien. Merci, sergent. Je m'en prie. Oui, tout à fait. On est alors c'est le boulevard. C'est Eclipse Boulevard entre Eclipse Boulevard et Milton Road. Non. Ouais, je vois un peu près. Je suis un habitué là-bas. Ok, ça marche. Ah, d'accord. Ok. Allez, je vous attends. Messieurs, bonjour. Oh, bonjour. Monsieur Macadam, salam. Monsieur Macadam. Ah, comment allez-vous? Parfait. Tout va bien, ça va? Oui, ça va, ça va. Les commotions, ça va? J'ai un petit peu mal à la tête quand même. Je sais pas ce qu'elle nous a fait là, la commissaire, mais. Je me doute. Elle m'a pris en surprise là. Hein. Vous avez bien attrapé par derrière? Ouais, j'aurais préféré la prendre par derrière, mais là, c'est elle qui m'a pris par derrière là. Oh là là, ah, salam, les bonnes. Ah, on va s'entendre. Si vous aimez bien rire, là, moi j'adore. Il y a pas de problème. Je tiens à préciser
que ce n'était pas le but de cette soirée. Enfin, si j'ai dit que c'était une soirée rencontre, mais c'était ni une soirée rencontre alcoolique, ni une soirée rencontre amoureuse. Ah, non, non, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Enfin, monsieur Macadam a des circonstances atténuantes quand même. J'ai pas compris. Je crois qu'il vous faut quand même une petite bière, monsieur Macadam. Faudra rien dire, même la commissaire surtout. Oh, puis après tout, hein, après le coup qu'elle m'a mis, hein. Ah ouais, c'est une bière. Vous méritez bien ça. Hey tout le monde. Eh ben, il serait temps que vous soyez en service, vous les gars. Ah bah. Tenez, monsieur. Ouais. Il est temps. Merci. Merci Rames. C'est mieux que jamais. Désolé sergent pour tout à l'heure, mais j'ai pas pu vous relever. Je sais pas pourquoi. Non, mais bah, c'est pas grave. Ah, j'ai tout. Moitié pompette, à la vôtre, sergent. Merci, à la vôtre, à la vôtre. À la vôtre, sergent, ça fait plaisir. À la vôtre. Allez, tu veux le champagne? Ah non, moi une bière, c'est bon. Pour l'instant, on a la bière, ça y va. Ça ira bas. Ça ira, ça ira. Ça ira très très bien. Enfin, vous voyez, vous comprenez quand je vous disais qu'il fallait au moins un sergent en service? Et là, vous n'avez même pas pensé à mettre un médecin au service. Voilà. Ah, vous là. C'est pour là. Ça que moi, je suis revenu en service aussi, parce que je me suis dit... Voilà. On aurait tous dû venir en service. Tout à fait. Comment va être la bière, hein? Je sais pas si... Pouf. Pour la cousine de la commissaire. Il pèterait. On lui pèterait, hein. Excusez-moi mon frère, allez. Pas passé à autre chose. Elle est très jolie. Hein. Ouais. C'est vrai qu'elle est... moi aussi. Hein. Je baisse sa petite... Chasse gardée. Il y a une fille qui vient, il y en a quatre dessus là, c'est... Ah bah, attendez. On n'est pas mal que sur rien. Ah, moi Sergio, je la sens bien. Je la sens bien, Sergio. Pour Sergio, je la sens bien. Ah, moi aussi, là, je suis chaud. Là, je ça me plairait bien, je dirais pas non. Sergio, je vais pas la brusquer non plus. Je suis vraiment, voilà, moi, quand j'ai mes mains, je suis lover, donc je suis pas quelqu'un de trop. Sergio n'est pas compliqué. Ah, Sergio, je suis sûr que vous êtes le genre d'homme qui écoute les poétiques lovers, hein. Non. Après, j'essaie de me faire respecter, pas là. Oui, non, là, je vous écoute. Qu'est-ce que tu veux? Si vous voulez bien, on va plus se mettre. Un peu plus se mettre au milieu de la pièce parce qu'on est un peu serré. Mais non, on est bien. On se tient chaud. On se tient chaud. Quand on est serré, quoi. Mais par contre. Par contre, je tiens pas à agrandir mon cercle d'amis. Hein. Tu fais peur aux gens. Regardez, il a fait un bottle flip là. Regardez. Vous voyez la bouteille là. Oh là, monsieur Bertin, vous êtes chaud là. Eh ben. Comme toujours. Ouais, moi je vais aller dans ça. Je commence à être un peu chaud là. Il faut garder mes esprits clairs quand même. Bon, moi je dois faire la terre, hein, les gens. Moi je dois faire la terre, à bientôt. Ouais. Mais vous faites quoi, monsieur Flemme là sur... Le carrelage. On m'a dit qu'il y avait un trésor. Ouais, c'est de la bonne musique ça, ouais. Ouais. Allez, c'est cool là. Allez, c'est parti. Il est chaud, votre frère, Sergio. Vas-y, un petit selfie, ouais, vas-y. Allez, venez tous derrière moi, allez, hop, on va faire un petit selfie. Voilà, allez-y, moi je surveille, faut que je garde mes esprits clairs. Ah non, allez. Monsieur Macadam, venez. Je garde mes idées claires. Je vous surveille de là-haut. Non, vous venez, allez hop, venez là. Allez les Montanago. Allez-y, alors. Sergio, là, on vous voit pas là. Arrêtez de vous cacher. Vous